Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve pour la présentation d'un jeu et d'un livre alors que j'attendais vraiment impatiemment. Donc c'est une traduction qu'a fait les éditions Trédaniel. Alors est-ce que ce sont les éditions Trédaniel? C'est édité chez les éditions Vega, mais c'est une branche des éditions Trédaniel. Sur ce magnifique coffret, le tarot des contes et légendes du monde. Je l'avais vu passer plusieurs fois en anglais, j'étais impatiente vraiment qu'il soit traduit et je ne suis pas du tout déçue. Alors avant de commencer, je voudrais juste, je ne sais pas si vous le voyez, mais la beauté de la boîte en fait, c'est un carton texturé qu'on a ici. J'aimerais bien que le zoom, le focus se fasse. On a un coffret qui est tout texturé, on a l'impression de tenir un livre ancien dans les mains. J'adore ça. Vraiment, j'adore, je trouve que ça change. C'est très, très agréable comme texture. Et c'est super. Non, je suis vraiment très enthousiaste par ce jeu. Je vous mettrai la référence en dessous, en barre d'infos. Donc, on a un coffret rigide. On a un livre. Hop, on a un livret à l'intérieur. Vous voyez qui est beaucoup, beaucoup plus petit que ce que contient le livre. Après, je vous montre un petit peu les deux. Mais on n'est pas obligé non plus d'avoir le livre. Hein. On peut très bien se contenter du livret. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Donc, comment lire le tarot? On a donc toute une petite explication autour du tarot. Qu'est-ce que c'est? Les différentes suites du tarot. Donc, si vous commencez tout juste avec un jeu de tarot, ce jeu peut tout à fait être adapté aussi, puisqu'on a toute cette explication, on a l'explication aussi des nombres, puisque le tarot peut avoir aussi cet aspect numérologique très marqué. La signification des cartes, soit à l'endroit, soit à l'envers, on a le tirage à une carte, un tirage à trois cartes, un tirage à cinq cartes qui vous est présenté, et on arrive directement après. Alors s'il y a un petit exemple d'interprétation avec les amoureux, la belle et la bête, et ensuite on arrive aux arcanes majeurs. Vous avez la carte ici qui est représentée, la petite sirène. Le conte vient donc du Danemark, c'est un conte de fées, et on a une petite explication avec la carte à l'endroit et la carte inversée, avec des mots-clés en fait sur la carte à l'endroit et la carte inversée. Je vous le montre rapidement. Voilà. Et on a ça pour toutes les 78 cartes. Voilà. Donc on a tout un tas de légendes, on a même des poèmes. Vous voyez ici les Pandavas, on a, ça vient d'un poème épique sanskrit et d'Inde. La plupart du temps quand même ce sont des contes de fées ou de la mythologie, hein, des légendes de la mythologie, des divinités. Et je trouve ça très sympa parce qu'on a grandi, on connaît bon nombre de nos contes et de nos légendes, de notre propre mythologie. Et là, on va aussi aller puiser dans la mythologie d'autres cultures. Et on va comme ça aller puiser aussi dans quelque chose de très universel en fait. Et j'aime beaucoup ça, ça donne envie d'aller découvrir d'autres cultures, ça donne envie d'aller découvrir d'autres mythologies. Et j'adore, vraiment j'adore. Ça nous fait plonger dans un inconscient collectif aussi, puisque nous, inconsciemment, on a grandi en tant qu'enfant sur ces contes et ces légendes, comme d'autres enfants, d'autres cultures ont grandi sur leurs propres contes, leurs propres légendes, avec leurs propres divinités. Et tout ça, finalement, ça nous fait plonger dans cet inconscient collectif. Et j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est une très chouette idée. Alors, je vais vous montrer le jeu. Il arrive dans un petit pochon bleu. Alors, je vous montre le livre après, mais trop envie de vous montrer les cartes. Je vais faire un petit zoom. Hop là, voilà. Hop, donc on a la folle avec la sirène. On a des cartes qui sont mates et assez épaisses. Hein. Là, on a une bonne épaisseur de cartes.
Voilà, pour ceux qui aiment ça. Je trouve aussi que les illustrations sont très, très sympas. On retrouve une unité graphique dans tout le jeu qui est très belle. Alors, je me tais, je vais vous laisser en profiter. J'adore le bruit aussi que font les cartes quand elles glissent l'une contre l'autre. On a vraiment ce bruit de carton, mais très sympa. Voilà. Bon, c'est pas un jeu qui va beaucoup glisser parce que le revêtement n'est pas fait pour ça. Mais franchement, il est très très agréable. Je l'adore. Voilà. Est-ce que je l'ai suffisamment dit? Le livre maintenant, puisque c'est quand même très chouette. Les éditions du coup Très Daniel ont sorti un livre pour compléter le livret. Donc pour vous montrer,
voyez, on a quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus volumineux. Hop, donc je vous mets la référence des deux, hein, du jeu et du livre. Donc on retrouve hein, comment utiliser ce livre, le symbolisme, le lien, l'intuition, comprendre le tarot. Donc là c'est beaucoup plus détaillé, hein, vous voyez, les arcanes majeures, les mineures, les suites. Donc on retrouve les nombres, les cartes de cour, les cartes à l'envers. Par exemple, à l'envers, ça va être une signification opposée, un mouvement ralenti, une énergie explosive. Et puis, on a ce travail en même temps graphique aussi, qui est proposé tout au long du livre, que je trouve vraiment sympa. On voit qu'il est, il est vraiment agréable, il est beau à regarder, il est beau à manipuler. Alors, les arcanes majeures, on va avoir donc la petite sirène, le conte qui vient du Danemark représente le désir de se lancer dans l'inconnu avec joie et abandon. On retrouve les mots-clés, le symbolisme de la sirène, le symbolisme des poissons rouges, du château sur la colline et du soleil. Vous voyez, donc vraiment toute la carte est très détaillée. Et ensuite, on a des pistes de réflexion, que ça j'aime beaucoup d'ailleurs. Suis-je prête à avancer, quelles que soient les conséquences? Comment puis-je être plus joueur? Comment pourrais-je faire plus confiance à mes instincts? Que m'inspire l'enfance? Comment pourrais-je être plus ouvert aux possibilités? Et vous avez ici une page à chaque fois qui vous permet d'écrire vos propres réflexions et de faire en même temps une sorte de journal un peu intime de votre tarot, de votre évolution avec ce jeu. Vous l'utilisez comme vous voulez. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire des collages qui vous inspireraient, comme ici. C'est tout à fait possible. Vous voyez, d'ailleurs, c'est une proposition. Le dernier tirage, ça a été fait le 15 février, puis le 20 mai. Voilà, et on a des petites citations, des mots-clés qui vous semblent à vous pertinentes. Et c'est vraiment l'idée de s'approprier en fait ce livre. C'est un livre qui vous parle de ce jeu et en même temps qui va parler de vous puisque vous allez vous l'approprier comme ça. Donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc une réflexion plus poussée sur chaque carte en détaillant plus les symboles. Et on a aussi vos propres réflexions qui viennent s'y mêler. Et je trouve ça super sympa. Alors, tirage et suggestion de rituel à la fin. On vous propose une petite méditation, le tirage dans votre quotidien, le tirage à trois cartes. Donc, vous avez plein de propositions. Par exemple, pour un tirage général, on va avoir le passé, le présent, le futur. Ou bien, ça peut être demain, la semaine prochaine, le mois précédent. Ou le mental, le corps, l'esprit. Les forces, les faiblesses, le conseil. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs celui-ci, force, faiblesse et conseil. J'utilise pas mal. Dans quel domaine suis-je sous-productif ou suis-je trop impliqué? Comment puis-je trouver l'équilibre? Très sympa d'ailleurs. On a aussi pour une situation spécifique ou une épreuve, donc un objectif, un blocage, comment dépasser ça. Les différentes options, l'option 1, l'option 2, comment prendre la meilleure décision. Ou alors pour une relation spécifique. Par exemple, vous, l'autre personne et la relation. Ce que vous voulez, ce que l'autre veut et le chemin que vous prenez. Donc on a plein de pistes comme ça de tirage. Ici, on a le tirage à 5 cartes. Un tirage de la croix celtique. Hein, et le tirage annuel. Voilà, qui est conséquent, je vais dire. Il est assez conséquent. Voilà, donc vous avez forcément les 12 cartes de janvier à décembre, plus une carte pour le premier trimestre, une carte pour le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre, et une carte de conseil, de thème, de défi, de guide. Donc il est très complet, hein, ce tirage. On vous invite à créer votre propre tirage, le scrapbook du tarot. Donc ça, c'est très sympa. L'association musicale, associer une carte à une personnalité célèbre,
le positif et le négatif. Donc là, c'est vraiment, on vous axe ce que vous pouvez faire comme travail avec votre jeu. Avec votre jeu de tarot et puis le livre également, puisque vous pouvez faire ce fameux collage sur les pages. Voilà, ici, gardez vos notes et certains de vos livres de tarot, de vos sites internet ou de vos jeux de cartes préférés. Voilà, c'est un beau livre de travail, de réflexion, d'approfondissement justement sur le livre, sur le jeu des contes et légendes du monde. Je suis très contente d'avoir pu vous le présenter. Vraiment, c'est un petit bijou, le jeu, le livre. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.